Le Forum national sur la dette et la lutte contre la pauvreté était récemment en atelier. Ce groupement d'organisations de la société civile veut faire le contrôle citoyen de la dette ivoirienne au regard de l'exécutif de différents programmes mis en œuvre dans le cadre du CDD, contrat de désendettement et de développement. La Côte d'Ivoire est un pays en pleine croissance ces dernières années. Seulement voici la gestion de sa dette qui s'accumule d'année en année interroge une interrogation au centre de cet atelier du Forum national sur la dette et la lutte contre la pauvreté. L'atelier se tient dans un contexte où la Côte d'Ivoire arrive à la phase 3 du contrat de désendettement et de développement C2D. À cette phase, le contrôle citoyen est important dans l'évaluation de la mise en œuvre des programmes contenus dans cet allègement de la dette au profit du pays. Un départ pour la société civile qui était de plus de 45 à prendre part à cet atelier. La dette, la lutte contre la pauvreté, l'endettement sont des préoccupations au quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de transformation de cette dette, du remboursement de cette dette un projet structurant pour notre pays. On ne peut qu'être fiers et voir la société civile, c'est-à-dire la population, une très grande frange de la population s'approprier cette question, c'est-à-dire de la dette et de l'endettement. On ne peut qu'être fiers. L'atelier a eu pour cadre le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Ceci pour faire un lien entre l'économie et le développement du capital humain et la vie décente. Il s'agit ici de faire la promotion d'une économie verte basée sur le progrès social.